Eugénie Dior connaît son gâteau de mariage. Si les polémiques vont bon train concernant le prix exorbitant du mariage d'Eugénie Dior, les préparatifs, eux, se poursuivent. Après avoir décidé de défiler en carrosse dans les rues de Windsor et de convier leurs guests à une vraie kermesse, les futurs époux viennent de choisir le gâteau qu'ils serviront à leurs 850 invités. Parmi lesquels Kate Moss, Robbie Williams mais aussi, plus surprenant, le chirurgien qui a opéré la scoliose de la petite fille de la reine Elizabeth I. Pour l'occasion, exit le traditionnel fruit cake, qui avait d'ailleurs été servi au mariage de Kate et du prince William. Les futurs époux ont opté pour quelque chose de plus moderne, à l'instar de Meghan Markle et du prince Harry qui avaient pris parti pour un gâteau au goût de citron et à la fleur de sureau. Le soir de ses noces, la fille de la sulfureuse Sarah Ferguson et du prince André servira, elle, un gâteau au chocolat recouvert d'un glaçage rouge. Comme le précise le palais de Kensington, ce dernier incorporera les riches couleurs de l'automne dans son design et sera recouvert de détails en sucre, notamment du lierre. Ce wedding cake, qui promet déjà de conclure en beauté le dîner, sera confectionné par la pâtissière londonienne, spécialisée en cake design, Sophie Cabot. C'est grâce au duc d'York que le couple a eu vent de son travail. En effet, dans le cadre de son programme Pitch Palace, qui aide les entrepreneurs à se lancer, ce dernier a été amené à commander des gâteaux à la jeune femme. Visiblement ravie de remettre le couvert avec la famille royale, celle-ci a déclaré dans un communiqué de presse qu'il s'agissait d'une merveilleuse opportunité de créer un gâteau aussi spécial et unique. Et de préciser, cela a été un plaisir de travailler avec la princesse Eugénie et Jack et j'espère vraiment qu'ils apprécieront le gâteau le jour même.